Le premier jour de la semaine, elles vinrent au tombeau de grand matin en apportant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent la pierre roulée de devant le tombeau. Elles entrèrent, mais elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles étaient perplexes à ce sujet, deux hommes survinrent devant elles en habits éclatants. Toutes craintives, elles baissèrent le visage vers la terre. Mais ils leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts ? Il n'est pas ici, il s'est réveillé. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée, et qu'il disait, « Il faut que le Fils de l'homme soit livré aux pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il se relève le troisième jour. » Et elles se souvinrent de ses paroles. Elles s'en retournèrent du tombeau pour raconter tout cela aux 11 et à tous les autres. C'était Marie-Madeleine, Jeanne, Marie de Jacques et les autres avec elle. Elles le dirent aux apôtres. Mais ces paroles leur parurent une niaiserie et ils ne crurent pas les femmes. Pierre cependant se leva et courut au tombeau. En se baissant, il ne vit que les bandelettes qui étaient à terre. Puis il s'en alla chez lui, s'étonnant de ce qui était arrivé. Nous sommes donc au matin de Pâques. Alors le matin de Pâques qui est à la fois cette annonce, je dirais, la plus décisive et la plus incroyable de l'Évangile, celui sur lequel l'Église tient et celui qui nous pose question. Alors il va falloir voir cette annonce de Pâques, comment est-ce qu'elle nous est racontée ici par Luc. Et donc, ça commence avec le récit de ces femmes qui... Alors, dans le récit précédent, on disait que les femmes avaient déjà préparé les aromates au moment de la mise au tombeau de Jésus, mais comme il était tard, que c'était le jour du sabbat, elles ne le purent, le jour du repos arrive, et le jour d'après, au tout petit matin, à la première heure, les voilà qui arrivent, se préparant à embaumer le corps de Jésus. Alors d'abord, peut-être comme introduction, les aromates, le soin du corps, comment est-ce qu'on peut entendre ces soins mortuaires dont il est question ici dans ce récit? Alors, moi, il y a une chose que je voudrais souligner, oui. qu'on n'a pas lu, c'est qu'ils ont récupéré le corps. Oui. Ils, c'est-à-dire, là, en l'occurrence, si on est chez Luc, si mes souvenirs sont exacts, c'est Joseph d'Arimathie qui l'a récupéré. Jean nous dira que Nicodème est là aussi. Et je voudrais, avant qu'on parle des femmes, j'aurais vous avez une facilité pour dire les femmes, mais d'abord rendre justice aux justes d'Israël. Ah oui. Parce que ça, c'est très important. Joseph, qui est présent dans tous les récits, et Nicodème dans le récit de Jean, sont les figures des justes d'Israël, ceux qui vivent sous la loi, ceux qui sont juifs, et qui vont aller réclamer le corps à Pilate, qui vont l'obtenir, qui vont éviter qu'il soit jeté à la fosse commune et qui vont lui donner une sépulture. Marc nous dit qu'il eut le courage d'aller demander le corps. Hein. Tout à Donc fait. Ça veut dire que ce n'était pas un... Bon, ils ont un peu d'argent, on peut penser qu'ils ont payé pour ça, oui. pour le récupérer. Oui. Et ils ont récupéré le corps. Et je veux le dire parce que ce sont deux... Vous savez que je vais prendre la défense des femmes en disant qu'elles ont été tellement oubliées dans l'histoire de l'Église. Mais Joseph aussi. Mais Joseph. Les pharisiens, les notables de... Les notables, les justes d'Israël qui ont récupéré le corps de Jésus, je veux dire, sont eux aussi oubliés. Il me semble que si on n'avait pas oublié ces deux justes du judaïsme, on aurait peut-être commis moins d'anti-judaïsme dans l'histoire de l'Église. Et donc, voilà, je fais une opération de restitution de leur dignité à ceux-là. Et alors, vous avez raison, et vous avez d'autant plus raison qu'on voit bien que là, que cette nouvelle de Pâques s'exprime par un tombeau vide, mais pour que le tombeau soit vide, il fallait d'abord qu'il soit. Il fallait que le corps ait été récupéré. Et comme vous dites vous-même, si jamais Joseph n'avait pas récupéré le corps, Jésus aurait été jeté dans une fosse commune, et on n'aurait rien su de la résurrection. Voilà. Donc il est né, il y a une sorte de nécessité de l'évangile. Ils sont très, très importants. Ouais. Voilà. Moi, j'aime qu'on les appelle les saints hommes. En parallèle avec ces femmes qui montent au tombeau et qui s'appellent les saintes femmes. D'accord, alors les saints hommes. Les saints hommes, maintenant les saintes femmes. Alors, voilà, alors nos saintes femmes qui montent au tombeau, aromates. Les aromates. Alors elles m'émeuvent beaucoup parce qu'elles sont tellement la figure de toutes les femmes dans l'histoire du monde qui n'ont comme dernière possibilité que de rendre hommage au corps de ceux qui sont morts.
Je pense que ceux qui nous écoutent et qui nous regardent savent bien que je ne me laisse pas aller ordinairement à des lectures genrées des textes. Mais dans l'histoire du monde, les hommes font la guerre et les femmes s'occupent des corps blessés et des corps morts. L'honneur des corps, c'est d'être saisi par les femmes aussi bien à l'origine quand on naît qu'au moment de la mort. Elles sont là. Et donc que l'Évangile nous restitue cette place des femmes qui sont... Elles me font penser à toutes les femmes du monde qui, en fait, dont le dernier acte d'amour qu'elles peuvent faire, c'est l'acte qu'elles vont faire à l'égard du corps. Et puis voilà que le corps n'est pas là. Et la fabuleuse nouvelle, c'est qu'elles arrivent avec leurs aromates et leur tristesse sous le bras, et le tombeau est vide. Il n'y est pas. Voilà, il n'y est pas, et donc ces deux personnages flamboyants. Oui, à la place du corps, il y a des anges. Alors, il y a des anges, oui. Ben, on est chez Luc, hein. Luc, il aime bien les anges. Oui, il aime bien les anges. Il y en avait déjà un. Moi aussi, j'aime les anges. Voilà. Alors, donc, c'est qui ces anges? Ce sont des messages messagers. Oui. Hein, c'est ça, un ange, c'est un message messager. Oui. C'est un message qui est tellement puissant qu'on le voit. Hein, c'est comme ça, un ange. Donc voilà, donc, ils disent ce qu'ils ont à dire. Et alors, il dit, en l'occurrence... C'est des messages messagers de Dieu. Hein, c'est lui l'expéditeur. C'est Dieu l'expéditeur des anges et des messages. Et donc, il leur dit, cette chose formidable, pourquoi vous cherchez parmi les morts celui qui est vivant? Et c'est la nouvelle qui éclate dans ce premier matin du monde. Voilà, celui qui était mort est vivant. Et c'est l'incompréhensible, l'indicible. Et tous les textes qui vont suivre dans les évangiles, dans tous les évangiles, vont essayer de se dépatouiller avec cette chose qui est inconcevable, celui qui était mort est vivant. Et donc, on le verra quand on lira les textes des dimanches, dans les dimanches suivants. On joue, est-ce qu'il se réveille, est-ce qu'il se relève, est-ce qu'il est présent, est-ce qu'il n'est pas présent, est-ce qu'il est là, est-ce qu'il n'est pas là. On est dans des espèces, on le connaît et on ne le reconnaît pas. Donc au fond, il faut dire une chose et son contraire pour essayer de dire ce qui ne tient pas, ce qui sort de nos têtes, ce qui est plus grand que nos intelligences, et c'est une joie plus grande que celle qu'on pouvait imaginer. Alors là, on est tout au début du texte, les femmes ne sont pas encore joyeuses, elles sont pour l'instant circonspectes. Et les anges les renvoient à leur mémoire, hein. Souvenez-vous de la manière dont il vous a parlé. C'est-à-dire que, si cet événement ou cette absence était quelque chose qui validait tout ce qui était tout ce qui s'est passé. Alors, ce sera encore plus explicite dans le texte de Luc qui suit, qui est le texte des pèlerins d'Emmaüs, où effectivement Jésus, accompagnant les pèlerins d'Emmaüs, va leur faire ce grand acte de mémoire pour relire tout ce qui s'est passé et au bout du compte comprendre de quoi il est question. Donc en fait, la mort et la résurrection de Jésus, elles ne peuvent se comprendre qu'en repartant dans le cycle de la mémoire, non seulement du temps de la vie de Jésus, mais aussi de la mémoire longue d'Israël et de l'attente qui constitue cette mémoire et de tous les signes qui ont été donnés. Parce que pour comprendre une chose pareille, il faut aller chercher loin. Alors évidemment, c'est difficile pour nous parce que nous, on est 2000 ans plus tard et on nous l'a tellement dit que Jésus était ressuscité, tellement ressassé, qu'en fait, on a du mal à en saisir l'incroyable nouveauté. Et le fait que... Mais c'est juste pas possible. Voilà, moi je voudrais que ce matin de Pâques, on se dise, mais c'est pas possible. Et justement pour qu'on retrouve cette espèce de joie qui nous remplit en disant, eh bien si, c'est possible. Eh bien si. Qu'on se laisse encore émerveiller, bousculer, étonner par cette parole hors de l'ordinaire, tout à fait. Et cette parole, voilà, et je vous dis, souvenez-vous, hein, et d'une certaine manière, en disant, voilà, que toutes les paroles et tous les actes de Jésus viennent ici trouver une sorte d'accomplissement, pour dire, oui, cette parole est vraie, oui, cette parole vaut le coup, oui, enfin, on peut en vivre, et que c'est tout ça qui est signifié à travers ce signe qui est un non-signe d'ailleurs, parce que c'est une absence, quoi, qui est un vide. Là, on est d'abord dans le vide, dans l'absence.
Voilà. Et puis, voilà nos femmes qui partent. Voilà. Alors, ils vont retrouver les 11 qui étaient enfermés dans leur... Oui, bien sûr. Donc, elles sont sorties. Oui, c'est ça. Donc, il y a déjà l'opposition entre les 11 enfermés chez eux et les femmes qui y sont allées. Oui. Et puis, la rencontre de ces deux... Et c'est la seule phrase, c'est le seul morceau de phrase qui soit profondément misogyne de tout l'Évangile. Oui. Puisqu'il n'y a jamais de phrase péjorative sur les femmes. Elles ne croient pas, parce que c'était des niaiseries, des histoires de bonnes femmes. Ouais. Voilà. Et je trouve ça tellement joli à ce moment-là. Je pourrais être fâchée. C'est l'humanité des disciples qui ressort. Oui, c'est ça. Il y a une espèce de vérité humaine qui est là. Ben, les femmes rendent du tombeau et les disciples disent vraiment les bonnes femmes, c'est n'importe quoi. Et je pourrais être fâchée en disant c'est de la misogynie. Oui. Mais là, en fait, d'abord, je trouve ça. Il faut être fâché. D'abord, ils se ridiculisent un peu parce que nous, on sait qu'elles ont raison. D'abord, au fond, c'est ça qui est formidable. Et comme souvent dans l'Évangile, c'est qu'ils ne se donnent pas le beau rôle. Et donc, en fait, ils nous ont dit, tout au long de l'Évangile, on nous a dit que vraiment, ils ne comprenaient rien. De nouveau, ils ne comprennent rien. Et ce sont les femmes qui comprennent. Voilà. Donc, ils comprennent donc cette réaction. Et puis, parmi, il y en a quand même un Pierre qui a un peu un doute, qui a besoin d'aller vérifier quand même. À la fois, il ne comprend pas, mais à la fois, il garde quand même une curiosité. Il va quand même aller y voir. Bienvenue. Oui. Elles ont semé le doute. Elles ont semé le doute, voilà. À défaut d'avoir semé la foi, elles ont semé le doute. Oui, voilà. Et alors, on nous dit, Pierre va, voit les bandelettes, et puis on nous dit que... il s'étonna, s'étonnant de ce qui était arrivé, il ne comprend pas plus. Enfin, je veux dire, bon, lui n'a pas rencontré les anges, peut-être qu'il lui manquait les anges pour comprendre. Alors voilà, donc on arrive au bout de notre lecture, et au terme de cette lecture, donc j'ai commencé tout à l'heure en disant que l'annonce de Pâques était à la fois le plus fondamental et le plus incroyable des récits de l'Évangile. Et en conclusion, qu'est-ce qu'on peut en dire pour nous aujourd'hui? Alors, ce qui est... terrible, c'est que là, quand on arrête la lecture, là, au fond, on ne sait pas. On est le dimanche de Pâques, et en fait, là... Alors, on a les anges qui nous ont dit qu'il était vivant, quand même, donc on peut se livrer à quelques alléluia. Mais il y a quelque chose qui est encore suspendu. Comme si, au fond, face à la résurrection, on restait toujours un peu circonspect. On est toujours un peu sur le bord, ne sachant pas. Et c'est intéressant parce que l'histoire dans l'évangile de Luc, il va falloir que les disciples d'Emmaüs reviennent pour annoncer aux onze ce qui s'est passé. Donc au fond, on voit bien qu'il faut déjà une communauté et que ça n'est pas... On a besoin les uns des autres pour nous aider à croire, je dirais ça, qu'en fait chacun n'a qu'un petit bout de l'histoire. Chacun ne saisit qu'un petit peu de cette affaire-là. Et que sur cette chose si grande qui défie l'intelligence, qui défie la raison, et qui est vraiment le cœur de notre foi, eh ben en fait on ne tient pas debout tout seul. On ne tient pas tout seul dans cette foi-là. On tient avec cette foi qui nous vient de là, qui a été si longtemps racontée. C'est quelque chose de très beau la foi, parce que nous croyons sur le témoignage de ceux qui, depuis 2000 ans, nous disent que cette histoire les a fait vivre. Cette histoire les a fait tenir. Et puis aussi parce que nous la redisons les uns aux autres, nous la célébrons, nous la disons à d'autres qui viendront après nous. Et il y a quelque chose là qui est au cœur. La foi, ce n'est pas une affaire individuelle et portative. Alors moi, ce que j'entends là, c'est la mémoire, souvenez-vous des anges, l'étonnement, Pierre qui reste étonné, et puis, comme vous dites, l'importance des frères et des sœurs pour nous aider à cheminer sur cette annonce.